Chers pèlerins, chers amis, en ce mardi de la cinquième semaine du Carême, 27 mars, nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au début de cette célébration, tournons-nous vers le Seigneur, faisons appel à sa miséricorde. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, accorde-nous la grâce de persévérer dans ta volonté, afin qu'au long des jours, le peuple dévoué à ton service augmente en nombre et grandisse en sainteté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité de l'Esprit-Saint pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du Livre des Nombres. Au cours de sa marche à travers le désert, le peuple d'Israël, à bout de courage, récrimina contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Est-ce pour nous faire mourir dans le désert où il n'y a ni pain ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante, et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et lui dit, « Nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. » Moïse intercéda pour le peuple, et le Seigneur dit à Moïse, « Fais-toi un serpent et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent et ils vivront. » Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet d'un mât. Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il conservait la vie. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Ceux qui devaient mourir.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait aux Juifs, « Je m'en vais, vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Là où moi je m'en vais, vous ne pouvez pas y aller. » Les Juifs disaient, « Veut-il donc se suicider, puisqu'il dit, « Là où je m'en vais, vous ne pouvez pas y aller. » Il leur répondit, « Vous, vous êtes d'en haut. Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit, « Vous mourrez dans vos péchés. Si en effet, vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Ils lui demandaient, « Qui donc es-tu ? » Jésus leur répondit, « Je n'ai pas cessé de vous le dire. J'ai beaucoup à dire sur vous et beaucoup à condamner. D'ailleurs, celui qui m'a envoyé dit la vérité, et c'est de lui que j'ai entendu ce que je dis pour le monde. » Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur déclara, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis, et que je ne fais rien par moi-même, mais tout ce que je dis, c'est le Père qui me l'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui plaît. » Sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi. Dans cet évangile, où les propos de Jésus annoncent déjà son départ et l'expérience de sa passion, Jésus nous dit, « Vous, vous êtes d'en bas, et moi, je suis d'en haut. Vous, vous êtes de ce monde. Moi, je ne suis pas de ce monde. » En fait, ce monde qui est le nôtre, ce monde est bon à l'origine, car c'est Dieu qui l'a créé. Et il vit que tout cela était bon, nous dit la Bible. Mais ce monde qui est le nôtre devient un monde mauvais quand il devient un monde sans référence à Dieu. Et puis Jésus vient révéler et confirmer le nom que Dieu s'est donné devant Moïse au buisson ardent. Et il dit, « Si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. Je suis. » En hébreu, c'est Yahvé. C'est le nom qui désigne Dieu. Jésus osait s'appliquer à lui-même ce nom ineffable que les Juifs de son temps n'osaient même pas prononcer, tellement il leur apparaissait impossible à dire. « Je suis celui qui existe, celui qui dure, au-delà de tous les aléas du temps. Je suis l'Éternel, je suis la vie sans la mort. » Tel est le nom que Jésus s'est donné. Tel est le mystère profond de sa personne. Il est, il était et il sera. Celui dont l'existence ne dépend de personne d'autre. Celui qui n'est pas né et qui ne meurt pas. Et Jésus continue ses propos.
Ce que j'ai appris du Père, je le dis au monde. Je ne fais rien par moi-même, mais je dis ce que le Père m'a enseigné. Jésus nous parle ici de ce qu'il y a de plus profond dans les relations entre le Père et le Fils. Jésus est tout entier tourné vers un autre, en communion vitale avec son Père, recevant de lui tout ce qu'il est, tout ce qu'il a, tout ce qu'il a à nous dire. Il est le Fils de Dieu. Il n'est pas centré sur lui-même. Il est centré sur un autre. C'est le propre de l'amour. Dieu est amour. Et c'est le propre de la filiation de recevoir la vie d'un autre. Jésus poursuit. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Parce que je fais toujours ce qui lui plaît. Faire ce qui plaît à l'autre, voilà une des plus parfaites expressions de l'amour. Faire ce qui plaît à l'autre. Car Jésus est amour du Père. Et c'est pour cela aussi qu'il est amour de nous ses enfants. Et il le dit. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. En participant à cette célébration qui nous prépare déjà à entrer dans la Semaine Sainte, dimanche prochain, nous allons célébrer le dimanche des Rameaux. Eh bien, célébrons l'amour de Dieu qui nous est donné. Amen. Ce pain, fruit de la terre et du travail de nos mains, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie éternelle. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de paix et nous en attendons la grâce. Délivre-nous de nos fautes et dirige toi-même nos cœurs incertains. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce,
toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Voici que s'approchent les jours où Jésus, notre Sauveur, souffrit sa passion et ressuscita dans la gloire. Voici les jours où nous célébrons déjà sa victoire sur le mal et le mystère de notre délivrance. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent, ils te chantent leur hymne toujours nouvel et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit-Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente, partout dans le monde, une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. » Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire,
pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Frère André et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étant au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre, veille sur ton serviteur le pape Benoît et notre évêque Jean-Claude, l'ensemble des évêques, des prêtres, des diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la trature, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. » Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux, heureux, les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Thank you.
Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours fidèle à ses mystères, afin de progresser de jour en jour vers les biens de ton royaume. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité de l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.